Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Drekolo, un multijoueur. On a avec Chobiti et Broudaf. Bonjour tout le monde. Salut! Hello, Alors, comme vous l'avez peut-être remarqué, si vous suivez l'aventure, le début de l'aventure sur la chaîne de Slan, du 119 minutes, pardon, Broudaf a eu un petit problème technique d'enregistrement suite à une mise à jour Windows. Il n'avait pas de son, enfin pas les voix sur sa vidéo. Du coup, on n'a pas pu voir l'épisode. Du coup, c'est probablement mon épisode à un mois que vous aurez vu sur la chaîne de 119 minutes. Faut que j'en parle avec lui, mais c'est sans doute comme ça que ça va se faire. Si vous n'avez pas vu d'épisode 1, et ben sachez que c'est l'épisode 2 et que l'épisode 1 est disponible sur ma chaîne, du coup. Dans tous les cas, normalement maintenant c'est réglé, vous aurez le point de vue de Broudaf sur la chaîne de 119 minutes comme c'était prévu. On se retrouve dans le petit salon d'attente où on est tous prêts. Vous me confirmez, je peux cliquer sur commencer, c'est bon pour vous? Oui. Alors en avant. Je pense qu'on va avoir un petit chargement en speed. Parfait. Donc, on a notre petit téléphone portable qu'on a laissé derrière nous au début de la partie et qui. Où les gens sont un peu en mode bah qu'est-ce qui se passe, t'es où? Et donc on se retrouve. Alors on venait, il faut passer en QWERTY, on venait juste de gérer une attaque et c'était un petit peu la merde. On n'a toujours pas de no pas assez de nourriture. Je propose de repartir direct en expédition. Vous aviez vidé le chemin des Patriotes, donc pourquoi pas vers l'île du dessus qui est le verger de Granite Hill là. Ouais, je suis d'accord, mais on va reprendre de l'équipement Oui, d'abord. reprenez vos équipements, bien sûr. Est-ce que t'as toujours ton tas de feuilles, du coup? Alors oui, moi j'ai toujours ma petite feuille que j'avais gardée. Ce Bah qui est écoute. bon à savoir. Carrément, ouais. J'avais ça C'est aussi. parfait, j'ai envie de dire. Mon tromblon. J'ai l'impression que les deux camions que j'avais reliés dans l'épisode précédent sont déjà vides. Parce que je ne vois pas d'autres trucs arriver. Du coup, rien que faire, ça va vite, hein. Rien que se faire un petit peu de construction et une attaque et ils sont vidés quoi. Ah, Et ils il n'y a sont plus rien dans les jardinières. Ouais, les jardinières se sont vidées très vite aussi. Par contre, bon, ok, ça c'est un peu moins cool. Comment ça s'appelle? Le truc de cristal là, le chemin de cristal est juste au-dessus de l'embuscade. Du coup, quand on passe, on déclenche l'embuscade quoi. Oh. Bah on va t'aider. Bah après elle se déclenche, mais on est dessus sur le truc, donc du coup ça fait pas grand-chose, mais ouch. Ouais, ils sont un peu badass là, ils sont un peu en mode énervé. J'étais parti de loin. Merde, putain, je me suis fait tuer du coup. Bon, je voulais essayer de la nouvelle bombe à eau que je ne connaissais pas, mais c'est un échec. Mais vous allez arriver à côté de mon cadavre normalement assez facilement. J'avais pas fait gaffe, le petit chemin il fait de la musique quand on slide dessus. Ah, j'ai peut-être un peu trop baissé la musique, j'avais pas fait attention. Enfin, si j'entendais le tchit, mais je vais mettre un Bah peu ça. plus fort la musique. T'es où? Ton cadavre est par là, d'accord. Bah là, on dirait que ça joue une note de violon en fait. Ah ouais, peut-être que ça change la note quand tu bouges du coup, si tu vas vers un sens ou un autre. Tiens, il y a un coffre ici. Au milieu de l'éther et une cheminée, intéressant. Bah, ça peut être intéressant même d'être mort pour explorer l'éther en sécurité en fait. Putain, j'ai oublié de rééquiper mon arme à corps à corps. Et j'ai repris mon tromblon, mais j'ai pas pris de balle de tromblon. Je suis un peu con. C'est vrai que du coup en plus je crois que j'avais ramassé des armes que vous aviez posées, je les ai même pas reposées. Je vais vous les lâcher dès que je serai ressuscité. Essayez d'éliminer les ennemis au pire, hein. Je suis à 50 mètres de mon cadavre là, j'arrive. Enfin, je trouve ça chiant, il est pas sur la carte du haut, ton cadavre. Ah ouais? Il est là. Voilà, je suis là, c'est bon. Du coup, vous avez pu finir les deux machins? Oui. Il y a eu un loot, non? Oui. Parfait. Qu'est-ce Alors, qu'il y avait? il y avait une Une bombe à eau que patte. j'avais ramassée. Du bâton de ski aussi. Non, ça je le voulais le
lâché ça? Ah, j'en avais deux peut-être, des bombes à eau. Ouais, j'en avais deux. Comme ça, au moins vous êtes équipé, normalement c'est bon. Bah, moi j'ai looté un arc en plus. Ah, bah nickel. Si ça vous intéresse. J'en ai déjà un, mais j'ai plus que deux flèches. L'arc il est très bon pour se débarrasser des trucs qui tirent, je trouve. Mais il est pas hyper. Enfin, les flèches ça manque un peu quoi. Ah, ici on a des saloperies. Entraînons-nous. Des flèches, je pense que t'en auras dans le coffre. Quel coffre, coffre. Dans ta base. Ah oui, ah bah peut-être ouais. Bon, c'est pas très grave, on peut y retourner juste pour ça. Il me semble que j'en avais posé avant la déco. Alors du coup, on pourrait éventuellement relier ce truc-là à la base. Ouais. Il y a 30 pierres dedans quand même. Par contre, niveau chemin, ah, on pourrait couper là. Il en faudrait au moins 2, je pense. Alors déjà, on peut récupérer un petit peu de... Tu as besoin de quoi? Bah je sais pas en fait, est-ce que j'ai de quoi faire des... Non, j'ai pas de quoi faire des chemins, et j'en ai combien en réserve? J'en ai un seul, un chemin. J'ai un ruban si tu as besoin. Je pense que c'est plutôt les numérocs qui manquent. Ah oui, non, ça j'ai pas. Les numérocs, ouais, qui manquent. T'es en train de combattre quelqu'un, Chobiti? Non, je coupe des arbres. D'accord, tu coupes des arbres, très bien. Why not? Alors, je vais montrer un peu aux viewers la carte. Donc, t'as fait un chemin qui relie ces trois îles-là. Ouais, et je me pense que pour relier le truc, il faudrait qu'on coupe directement vers celui qui est dans les terres, là. Je pense qu'on va pouvoir s'en sortir avec deux... Le chemin... Tu veux relier au chemin des Patriotes ou à Thatcher Line? Ici. Je vois pas ton ici. Alors, t'es pas en marqueur, j'ai mis un marqueur là. Avec un L comme le signe noir. Ah oui, d'accord. Ouais, je me disais, si on place, on doit pouvoir en placer un là et un là, et on doit pouvoir se relier du coup à l'autre. L'autre truc quoi. Mais sinon, on peut relier à l'intérieur des terres aussi, hein. Parce que ton chemin, il... Si j'en place... Ouais, voilà. Ouais, peut-être un ici, ouais, t'as raison, ça passe peut-être. Je peux essayer. Est-ce que je suis assez près ici pour en choper un, hein? Sachant que celui-là, je dois pouvoir le mettre plus loin. Hein. Celui-ci, là. Je vais le mettre plus loin, tiens. Je vais le récupérer, je vais le rapprocher de la caillasse. De toute façon, on n'a plus besoin de... Pour l'instant, ils sont vides, les camions. Je sais pas s'ils se remplissent. Après, il y a pas mal de ressources à looter sur l'île qui est au nord, là, vergé de granit, île. Ici, je le vois, il est là, ouais. Il est ici. Donc ici, on est dans la bonne zone, on est relié à lui, donc on va le poser là. Hop, on relie. Il est juste derrière l'arbre, c'est pas grave, on va aller le... On va couper cet arbre, hein. Faire un peu de place. Voilà. Ah. Je peux supprimer ton marqueur. Ah, et bah si tu veux. Je vois pas trop l'intérêt, mais... Bah normalement, quand t'es arrivé au niveau du marqueur, en fait, il te propose de le supprimer parce qu'il part du principe que t'es arrivé dessus, donc t'en as plus besoin. Et ouais, ton truc, il serait bien là. On voit le camion là et on voit l'autre camion là, donc normalement, on devrait pouvoir relier. Hop, je confirme, normalement c'est bon là. On voit les c'est deux. Bon. Hop. Ah, de la pierre, ça va être pas, ça va faire plaisir. Un peu d'arrivée de pierre. Ouais. Les relier, le signe. Merci. Bah, pendant que ça se vide, je propose d'aller sur. Alors l'île d'à côté, vous aviez fait le tri, donc on pourrait aller au verger de granit île éventuellement. Mmh. Le marqueur, par là-bas là. Vous avez tous de l'éther ou du coup plus du tout? Non, j'ai rien du tout moi. Moi j'en ai deux. Bah on va faire comme d'hab, on va essayer d'économiser un peu. Je vais me placer pas près du bord et puis on va y aller à l'ancienne. Normalement dans cette zone, il y a l'orgie de camions de livraison. Il n'y a pas d'autre mot. Ah mais attention, il y a un ennemi dans l'éther.
terre là. Essayez de sortir. J'arrive à casser notre garde, c'est chiant. Alors, on va essayer d'aller vers la petite montée qui est là-bas. Vous me dites quand vous êtes prêts. Prêt. Ready. C'est parti, on court. Ah, putain. T'es pas dedans. Wait for me. Allez, on court. 8 secondes, 7 secondes, ça va le faire. Voilà, parfait. Donc, normalement ici, il y a des trucs à looter encore. Ouh, voilà, un gros tas de ronces. Oh, il y a un gros tas de mobs aussi. Ah bah, il y a des... Oula, il y a un truc qui me tire dessus d'en haut, là. Ouais, tu lui as renvoyé son attaque. Voilà. J'ai vu ça. Ce que je trouve cool, c'est qu'on prend pas de dégâts quand on tombe. Ouais. Ça permet d'éviter de trop s'emmerder. Alors, j'avais bien nettoyé les terres la dernière fois, mais il est bien remonté. Ah, ça remonte tout seul. Ah oui, si tu le nettoies pas, ça remonte. Bah la dernière fois, la dernière partie qu'on a faite, je crois, sur la vidéo, on doit voir au tout début de la partie, j'ai montré, c'était à 7, je crois. Là, il y a deux camions ici. Ouais, il y a beaucoup de camions sur cette zone. Et c'est marrant parce que de la pierre. C'est une villa de chasseurs. Si tu rentres dans la villa, tu verras derrière il y a plein de clôtures et tout pour la défendre. Et derrière il y a dans une pièce il y a des trophées, il y a des têtes de mobs sur les murs et tout. Vache, ça me sent masse ici quoi. D'habitude elles sont dispersées mais. C'est peut-être le fait qu'elles ont repoussé du coup. Bah ouais, peut-être qu'il en restait une ici et ça s'est bien fait plaisir là quoi. Bon, ma barade de beurre elle est certes marrante mais pas hyper efficace quoi. Faut pas se lier. C'est bon, c'est plus là. Donc il en reste encore, bah là. Déjà tout là. Et il purifie un petit out. Hop, voilà. Propre. Une grosse branche fragile, fantastique, on est bien. Alors, est-ce qu'il restait beaucoup de trucs, parce que j'ai peut-être fait... Ouais, si, il y a plein de trucs encore, il y a des caches, il y a des objets... Ah oui, t'as... Ah oui, effectivement, le nombre de camions. Ah oui, non mais là, en fait, on sent vraiment, il devait y avoir un gars comme nous ici qui a fait son camp là, et du coup, il avait ramené plein de camions de livraison et tout, enfin, c'est la teuf, quoi. Et je trouve ça assez marrant, comme concept. On est là-dessus. Ça commence à être un petit peu surclassé, ouais, ma truc là. Il reste quoi sur cette île ? Oh, il reste deux caches et des fragments. Oh, les fragments, doit falloir monter. Devant, ils sont cachés sous les toits. Je crois que cette ville, la villa, je l'avais déjà bien vidée. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est les relier entre eux, les camions. Tomber sur une embuscade. Merde, ouh, j'arrive. Et voilà. Merci d'avoir sauvé ma peau. Oh bah t'as tanké, j'ai profité de leur faiblesse. Vous rigolez, je suis en train de nettoyer tout ce que vous avez laissé derrière. On n'était pas passé ici, nous. Ah bah c'est ici qu'elle a popé l'embuscade. C'est là qu'elle a popé. Ah d'accord. Ouais. J'étais en train de relier les camions entre eux histoire de gagner un peu de temps. Vous avez trouvé le coffre de loot du coup, je l'ai pas vu. Oui. Ok, parfait. Tant qu'on l'oublie pas, ça me va. Le coffre K-pop quand on a tué les ennemis. C'est ça. Monte. Voilà, donc là déjà ils sont bien tous reliés entre eux, donc il suffira juste d'en relier un et on sera bien. Cette maison je pense que je l'ai plutôt bien vidée. Hein. Mais cela dit, il reste des trucs à trouver dans le coin, donc...
n'hésitez pas à bien fouiller. Ce qui serait cool, c'est de trouver quelques baies et autres trucs du style pour faire de la bouffe. D'après la carte, il reste quand même pas grand chose. Bah ouais, il reste les caches quoi. Ah ouais, c'est bizarre que je les ai pas trouvés. Ah, ici on peut pas viser, on peut rien. J'ai deux baies et, une brique de jus. Ça va pas aller très loin. Je l'ai vu passer là, j'ai vu que je pouvais choper un truc. Je t'ai vu, petit viseur. Là. C'est par ici, c'est là. Ok, ça passe, mais alors de justesse. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est dans un artefact du mur. T'as lu les messages qu'il y avait dedans ? Ouais. Moi, oui, je les ai lus, ouais. Après, faites-vous plaisir à les lire. Hein. Je sens bien qu'il va y avoir des trucs en haut, là. Ah, mais il y a un petit escalier ici. Je suis pas sûr que je suis monté. Bon, le camion dans le... à l'intérieur, il va être relou, par contre. Bon, en fait, il n'y a rien d'intéressant. Un petit toit ici où descendre, non. Si je peux descendre là, grimper là. Est-ce que ça me sert à quelque chose? Je suis pas convaincu. Bon, ça m'a l'air plutôt vide, hein, cette grange. Alors, où sont planquées les caches? J'ai envie de me dire que les silos, ils sont prometteurs, mais je vois pas du tout si on peut... Ah, je vois les trophées. Une... Ah cool. Ah t'as vu, elle est sympa la salle des trophées hein. Bah je vais la montrer, ouais. Je vais la retirer. Elle est marrante. Oh punaise. Ah. Il me manquait 3 mètres pour l'atteindre. Ah t'as... il est dans les terres. Ouais, mais elle était sur le bord, t'inquiète. Bah, on va... Je vais courir jusqu'à mon corps et ça suffira. Voilà la magnifique salle des trophées. Et là il y avait plusieurs coffres avec plein de loot dedans. Du coup, faut qu'on trouve le cadavre de Chobiti et on aura une cache. Ah mais t'es carrément... Ah non, putain, pardon. Oui, ce que je vois, c'est pas toi, c'est le... Bah déjà, il y a un truc là. Ok, t'es là. Ah, t'as essayé de traverser pour y aller, en fait. C'est ça que tu me dis. Oui, c'est ça que je dis. Parfait. Oh, j'ai débloqué un succès urgentiste. J'étais en haut et j'ai voulu sauter. Et c'était l'échec. Bah c'est bien trouvé quand même, du coup il en reste un quelque part. Moi j'ai trouvé juste une graine, hein. c'est pas la teuf hein, niveau nourriture. Est-ce que je peux éventuellement faire des petits... Ouais, on est loin quand même là de nos points de passage. S'il y a des feuilles qui traînent. Pareil, il reste du numéro qui me semble aussi... Non, c'est bon, je l'avais eu. Il reste plus que tu vois une cache. Une cache de tissu. Où es-tu, petite cache de tissu? Et mince, quel idiot. Ah, ah. Non, tu t'en sors. Ouais, c'est bon. En fait, j'essaie de regarder sur les toits si on n'avait pas oublié quelque chose et je suis tombé. Ah. Forcément, c'est plus risqué. En passant derrière, là, sur les caillasses, y'a rien. Non. Il est pas un peu bizarre l'arbre au niveau de l'éther là en plein milieu? Souvent quand il y a des choses comme ça, c'est qu'il y a un coffre. Je vois pas le coffre comme celui qu'on avait eu tout à l'heure. Attends, je vais voir. Mais ah si, je vois un coffre. Ouais, normalement il y a. Sur les piliers qui sont effondrés entre les deux îles. Ouais. Ce serait peut-être celui-là, non? Je voulais le montrer au signe pour qu'il voit, mais ouais, effectivement, il y en a peut-être pas au niveau de l'arbre. Pourtant, c'est... Ah si, je pense qu'il y en a un. Si, il y en a un. Ah, mais il y a encore des camions ici, putain la vache. Ah, écoute, moi après, j'ai... Je suis là, j'arrive, je suis juste derrière vous. T'as deux choses à faire, on court jusqu'au pilier. Et après, jusqu'à l'arbre. Et après, jusqu'à l'arbre. L'arbre, quel arbre? Je ne vois pas l'arbre. L'arbre à droite. À droite.
Il y a du loot. Oui, cet arbre-là, d'accord, ok, tout à droite. Après, moi j'ai deux trucs d'éther s'il y a besoin. Bah écoutez, si vous êtes prêts, on va au pilier d'abord. Ouais. J'active, c'est parti. Inès, pourquoi je cours pas assez vite? Allez hop, on est reparti. Il me reste 7 secondes. Alors, t'as eu quoi comme tenue? J'ai eu des bottes, l'arbre maintenant. Cours, cours, cours. Il reste 5 secondes. On devrait pouvoir se poser sur le petit caillou. Merde. On retourne sur le. Là-bas. Il reste 8 secondes, ça devrait le faire. T'es avec nous. Attention! Attends-moi! Merci! C'est où? C'est où? Merde! J'en active un. J'ai une saloperie qui nous attaque là. Loot. Allez hop. Bon, ça coûtait un peu cher en éclair, mais c'est pas grave. On a quand même récupéré des trucs cool. Et du coup, est-ce que ça nous a vidé? Non. Non, il y a toujours la cache. Toujours la cache, ouais. Je sens bien qu'elle doit être quelque... Ah bah elle est là. Oh la vache. Où ça? Planquée dans le mur du... de la grange. Oh. C'était facile. Ah oui, effectivement. J'avoue là... Je crois qu'on est passé à côté de... à côté une dizaine de fois et qu'on n'a pas dû la voir. Mais ouais, je me disais, il doit certainement, ça doit être sur le toit et tout. Je me dis, je vais faire le tour pour voir s'il n'y a pas un petit escalier planqué. Et puis là, boum. Il y a marqué qui reste. Qui... Ah oui, la note, c'est les petits messages qui restent en fait. C'est ça, les notes, c'est les petits messages. Et il n'y a pas de bouffe. Non, il ne reste vraiment plus rien. Et on a une attaque dans 6 minutes. Ouais, mais j'essaierai bien d'ici là de relier les trucs pour pouvoir y retourner en slide là. Ça pourrait être une idée, ouais. Du coup, si on veut relier au camion, ok, il faudra aller sur celui-ci. Des points de passage, non, je peux pas en faire. Par contre, j'ai un Lumiroc si t'as besoin. J'en ai quelques-uns d'avance là déjà. Alors, où est-ce qu'on est ici? Il faut que j'aille là. Le marqueur, c'est. Il est où? Il est là. Une fois que t'auras relié tout, c'est que. Tous ces camions à la base, tu vas avoir un boost de production. Ah oui, carrément, ouais. Donc c'est ici, d'accord, c'est ici pour là-bas. Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on en pose un, par exemple, là. Ça me paraîtrait pas mal. Alors si je le pose de toute façon ailleurs qu'ici, ce sera mort. Il sera trop bas. Il va falloir le poser en plein milieu de nulle part, par contre, le suivant. Donc je vais y aller. Ne bougez pas, faut que je me fasse des trucs d'éther. Est-ce que quelqu'un peut activer le machin et me dire à peu près jusqu'où faut que j'aille, s'il vous plaît? T'es où? Là, t'es là. Ben, tu peux aller à peu près où tu veux, là t'es bon pour l'instant. Là? Là t'es quasi à la limite, mais t'es pas mal. Hop. Vous pouvez encore avancer un tout petit chouille derrière la liane en fait. Ouais, mais on est bien là donc. Il y a des petites saloperies. Aïe. T'es où? C'est bon. C'est juste que t'as pas le choix des embranchements ou alors ça va trop vite. Ah! Et résultat, le dernier camion, quand je suis arrivé au bout, je suis tombé dans les terres. Ah. Effectivement. Ah, faudra faire attention quand il vient ici, ouais. T'es reparti bâche, le signe. Bâche. Oh putain, c'est bon. T'as besoin d'aide? Non, c'est bon, mais il y avait plein de monde sur le camion là. Ah merde, demi-tour. Voilà.
C'est à droite ou c'est à gauche qu'il faut c'est aller? C'est à droite. Comment tu choisis? Bah tu choisis pas effectivement, ouais. Je sais pas, moi j'ai mis vers la... j'ai penché vers la droite et puis je suis parti à droite. En se penchant. Attends. Parce que ça me dit AD, mais du coup avec mon clavier en passant QWERTY, AD c'est quoi? Z, Q, S, D. Oh putain. Hop là, on ouvre la rendue. Alors on va parler à quelqu'un tout de suite pour se soigner. Tu dors mais c'est pas grave, t'as un cadeau à me donner, réveille-toi. Coucou, coucou, coucou à mort. Oui, donne mon cadeau. Merci. Je suis pas du tout au bon endroit là. Je suis paumé. Ah bah de toute façon il n'y a pas non plus 600 000 chemins donc tu peux pas vraiment te plaire, il suffit d'aller dans l'autre sens et on sera bien. Mais ils sont... Alors du coup on peut faire un puits. Puis où? Oui, on a ce qu'il faut. Ici. Pourquoi ça n'apparaît pas? Pourquoi je ne peux pas faire apparaître mon puits? C'est pas cool ça. Mon puits n'apparaît pas. Parce que t'as plus de budget. Ah, parce que j'ai plus de budget, exact. Je suis à 30 sur 30. Diantre, il faut donc monter de niveau. Ouh là là, oh, attends-nous, hein. Ouais, non, mais de toute façon, il m'a pas soigné ma vie, lui. Je comprends pas pourquoi. Pourquoi tu me donnes pas ma vie? Santé récupérée? Bah non, j'ai pas récupéré ma santé. Quel est le fuck? C'est eux qui récupèrent la santé quand il y a marqué santé récupérée. Ah, il me semblait que ça me soignait moi. C'est quand ça te met santé récupérée, c'est toi. Toi, il faut que t'interagisses pour les... Oui, c'est bien ce qu'il me semblait, ouais. Mais d'accord. Mais il est peut-être pas heureux, c'est tout, hein. T'as peut-être pas choisi le bon. Non, ça m'a mis quand même santé récupérée, pourtant. Mais... Ah, par contre, ceux qui sont dans les lits superposés, on peut pas les réveiller. Ouais, mais c'est pareil, il m'a donné zéro talisman celui-là, donc il m'a pas soigné. Bah, zéro talisman, oui, parce que j'ai pris. En fait, ok, ça me fait remonter ma santé, mais de que dalle, quoi. Donc il faut parler à tous pour. Oh la vache, les. Les graines, ça dure pas longtemps. Hein. Ah ouais, ils bouffent comme des dingues, hein, on est d'accord. Ok, la santé monte petit à petit, mais c'est pas trop ça. J'ai rien à mettre dans les jardinières. Alors, baguette de sourcier, leurre, totem de soins. Après, pour la santé, on peut se mettre un totem de soins. Bah, si ça coûte pas trop cher, oui, on peut, ouais. Deux amas de lumirog, 2000 feuilles, 2 scutellaires et 10 talismans. Ah oui, le truc dont on se sert pas, ouais. Enfin, sauf le lumirog, encore ça va. Ouais, un petit totem de soins, pourquoi pas dans le camp là, ça fera pas de mal. C'est un éphémère, hein. Ah, c'est un éphémère. Bon, enfin, ah. On est quoi? Ah, on peut pas voir la vie des autres, cela dit. Ça y est, il se réveille. Allez, il est par là. Non, mais tu ne montes pas sur cette palissade là, tu viens voir. Non, tu veux pas. Raid dans 15 secondes! Bah ouais, justement, je vais me soigner, mais il galère là. Ok, c'est bon. Moi qui lui fais un cadavre. Et puis. Ah, ça c'est un truc de soin, non? Et. Il suffit d'aller dedans et ça remonte? Ah oui, ça remonte. Ouais, je leur donne pas des masses, hein. Oh si, ouais, c'est léger, quoi. Après, j'imagine qu'on pourra en faire des plus puissants. Ça y est, ils arrivent. Je dirais, moi c'est suffisant. Je vais gérer de l'autre côté. Ah là, il pourra plus tirer. Regarde, c'est deux monstres. Un monstre. Ouais, on croit que c'est ici. Voilà.
GG. Bravo. Ou des plans. Un pantalon de jogging. Alors, est-ce qu'on peut parler à des gens? Viens ici, toi. Viens ici. Oh putain, j'ai parlé à celui qui était sur la barricade, quoi. La nourriture, c'est vraiment le drame. Hein. Ça repop plus dans la base, enfin aux environs de la base. Bah, je crois qu'il faut que tu plantes des graines aussi. Ouais, bah j'avais rempli les trucs avant qu'on bouge et quand je suis revenu, bah il y avait plus rien dans les bacs. Ah, je pensais que tu parlais des baies et tout là. Ouais non, dans la base c'est la dèche, quoi. Mais je pense qu'il doit y avoir un moyen de transformer une partie de la bouffe qu'il mange en graines pour autosuffire, parce que c'est pas possible, quoi. C'est complètement la dèche, quoi. Il y avait des graines de choux dans la... pas beaucoup, mais... dans le dépôt. Bon bah ça sera toujours ça de prix. Bah on essaie de se refaire une petite XP. Parce que bon là c'est, ouais. C'est la teuf des livraisons, mais on a absolument pas ce qu'il faut. Ou alors on fait monter de niveau... Un truc pour gagner de plus de place dans le camp. Genre toi là. Moi je préviens, c'est dangereux. Mais... Bah de toute façon, j'imagine qu'il faut au bout d'un moment. T'as des cristaux en rab normalement dans le dépôt. Il fait quoi lui? C'est le chanceux qui donne plus de butin. Bah carrément, on va le faire monter de niveau. Mais non, t'as qu'une seule kyanite. Ah, tu sais ça du premier coup d'œil, toi. Et avec X, t'as personne que tu peux faire monter de niveau. Maki 2, Oeil de Tigre 4, ah si peut-être. Jade 9, tu vas pouvoir faire manger ton bûcheron. Youpi. Moi ça me dit 11 quand je suis dessus. 11 ? 11 sur qui ? Bah sur la jade. De toute façon il en faut 5. Ça suffit, allez on fait grandir un petit peu. Pouf. Sinon, y avait Gillette là. Résistant à l'éther. Alors mon arme est quasiment cassée, on va prendre un truc un peu plus énervé, s'il y a des choses qui tombent. Et on va pouvoir faire des trucs trop cool. Voilà, on passe à 50 de budget de camp, donc je pense que la priorité ça va être un... Et on peut prendre un deuxième renforcement, cool ça. Prendre une jardinière baignoire. Jardinière baignoire. Ouais, va regarder les trucs à débloquer. Et bah attends, j'ai encore l'écran qui est plein de... j'ai mis le truc là. Montre aux viewers. Ok, voilà. Alors du coup, déjà, on va commencer par faire un puits. C'est la priorité, parce qu'avec encore un mec qui a monté de niveau là. Alors après, on a quoi? On a débloqué des clôtures en bois haute. On a débloqué des jardinières baignoires. Il faut deux plans pour ça. On va en poser une pour voir qu'est-ce que ça fait. Par contre, à mon avis, il faudra faire le truc avec l'arrivée d'eau, du coup. Oh non, plus 12 de... Poba houppe toxique. On pourrait planter des sapins, non, c'est pas une priorité. Arrivée d'eau... Fourni de l'eau toxique. Il faut un truc pour... on peut amener de l'eau toxique dans le chaudron, peut-être. Non, regarde ta baignoire. Qui est en train de se construire. Tu vois bien qu'elle va avoir besoin d'eau. Ah oui, il nécessite un dos toxique. Ah, j'avais pas vu, effectivement. Faisons une pompe à eau. Ah, il faut qu'il... D'accord, c'est une balançoire pour qu'il pond de l'eau dedans. Excellent. Oui. Tu crois que ça peut leur donner de la distraction? Bah, je pense pas. J'ai l'impression que c'est comme la truc de d'électricité, là. Ouais. On va regarder ça. Avec le menu du camp, il y a moyen de voir ça. Bah de toute façon, on voit que c'est toujours la dèche de... De divertissement. Donc... Ouais, de toute façon, il n'y a que le ballon de yoga là qui compte en divertissement. Alors, est-ce qu'on peut faire un flipper maintenant? On n'a pas de circuit électrique, dommage. Bon, après, ils sont à 20 de divertissement, ça va. Hey, c'est marrant, les trucs que t'as construit, ça m'a compté pour mon succès. Ah ouais? J'ai débloqué un succès lié à la construction là, alors que moi j'ai rien construit dans ce monde-ci.
Oh, trop fun. Je peux venir sur la... Est-ce qu'on peut avec le petit reine et tout, quoi. Et du coup, ça alimente en eau, mais il faut quand même mettre des graines, quoi. C'est la dèche, hein. La vache. Ouais. C'est tellement la dèche. Alors déjà, la quête de Sagebeck. Ouais, mais du coup, ça sera peut-être plus efficace. Qu'une jardinière. On pourra peut-être démonter une jardinière pour regagner un peu de budget de camp. Alors, il faut qu'on commence le rituel, mais c'est à ce moment-là, j'imagine, que ça va partir en couille. Oui, c'est ce moment-là qui part en couille. Je vais aller voir s'il n'y a pas des balles de tromblon dans le dépôt, du coup. Bah ouais, enfin, avant de le lancer, j'ai surtout envie d'essayer de sécuriser un peu la nourriture, moi, perso. Pas obligé de le lancer maintenant, après tout. Non, t'es pas obligé de le lancer maintenant. Alors, est-ce qu'on a une île accessible intéressante? Ici, on a 2-3 baies et des champignons sur le chemin des patriotes, encore à ramasser, éventuellement. Là, il y a pas mal de graines sur l'île juste au-dessus de, sur l'île juste au-dessus du chemin des patriotes. Il y a pas mal de graines, des champignons, du jus de fruits et tout. Ça peut être intéressant. Genre, on irait par là, là. Ok. On prend le chemin et... Dans l'île où on était, je crois qu'il y avait un camion où il y avait une icône de conserve. Ça ramènerait pas de la bouffe, ça? Je crois que c'est pas les débris métalliques plutôt? Ouais, je crois que c'est les débris métalliques. Regarde dans, quand tu fais table, là, si dans l'inventaire, t'as, si ça ressemble à quelque chose que tu connais. Et je pense que ça doit être les débris métalliques. Ouais, c'est les débris métalliques plutôt. C'est quand même pratique de se déplacer comme ça. Alors du coup, comment on fait pour se pencher? Parce que je suis pas très doué, moi, avec là, les... Ouais, c'est ça, c'était les débris métalliques, ouais. Attends, ça correspond à quelle touche en français Bah, c'est les mêmes que quand tu fais gauche et droite quand tu joues. Ah putain, ok. Hop là, donc là, on est rendu ici, il y avait un petit peu de baies, j'ai vu. Si on pouvait en trouver 2-3, ça serait toujours ça de prix. Cachés. Ouais, la nature dépérit un peu au bout d'un moment. Hein. Ah, je pouvais prendre un deuxième renforcement, j'ai oublié. Oh, tant pis. J'ai pas dû passer par le bon endroit. Alors, ouais, il y a ce camion-là qu'on a relié à rien. Tout à fait, j'ai pas pris le bon endroit. Mais je suis pas sûr qu'on puisse le relier du coup, oui. Ouais, il est relié à rien. Ça vaut pas le coup de poser un truc juste pour ça. Et là, il y a des pierres dedans. Donc, du coup. Oui, c'est bon. C'est bien, mais pas top. Ah, il y a des baies là, mais il y a des gros trackers. Ah, tu les as trouvés, les baies? Je les cherche depuis tout à l'heure. Elles sont là. Là. Où le signe? Bon, on va se les faire, les trackers. Ouais, le Brodeuf, il a pas peur, hein, il charge. Ouais, et du coup, je tombe dans les terres. Parfait. Mais ça fait toujours un peu de nourriture. Bon, il n'y a vraiment plus rien sur cette île. Il faut attendre que ça repousse. Allez, celle qui est devant, c'est ça? Ouais, mon marqueur est là. Si vous êtes chaud. Ouais. Ouais. Allez, on traverse. Ah, punaise, mais... Elle est lente, madame. Pourtant, j'accélère et tout. Alors, c'est juste moi qui suis nul, hein, mais... Hop. Et de toute façon, on va arrêter notre épisode là, parce qu'il est déjà suffisamment long. J'espère qu'il vous aura plu. Va pas gros des trucs, s'il te plaît, Chobiti. Mais il y a des tesseurs, là, il y a des connes, il y a des trucs. Bah, je me doute bien qu'il y en a gros et un toi, des signes. Voilà. On a gros des trucs, du coup. Bref, on s'arrête là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à laisser voir, voir le point de vue de Brodeuf sur la chaîne de 119 minutes. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.